À moins d'un an de la présidentielle d'octobre 2020, Alassane Ouattara ne s'est toujours pas prononcé sur sa probable candidature. Le président ivoirien continue de maintenir le suspens autour de son avenir politique. Cette attente n'est pas du goût de certains planteurs ivoiriens qui ont décidé de pousser le chef de l'État à se mettre en course pour un troisième mandat. Présidentiel, des planteurs veulent la candidature de Ouattara. Alassane Ouattara sera-t-il candidat à la présidentielle de 2020? L'actuel chef de l'État préfère garder le silence. Du moins, il se garde de livrer sa décision. La nouvelle constitution m'autorise à faire deux mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu'à ce moment-là, en fonction de la situation de la Côte d'Ivoire. La stabilité et la paix passent avant tout, y compris avant mes principes, déclarait le président ivoirien en juin 2018. Il ne faut pas oublier que lors de la célébration du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire, l'ex-directeur général adjoint du Fonds monétaire international FMI avait appelé Henri Conan-Bédié à travailler pour transférer le pouvoir à une nouvelle génération de manière démocratique en 2020. Notre pays est riche d'hommes et de femmes jeunes compétents qui ont reçu une formation de qualité et qui ont appris à nos côtés comme nous avons appris aux côtés de nos aînés. N'ayons pas peur de passer le témoin. Faisons confiance à nos jeunes tout comme nos aînés nous ont accordé leur confiance, avait-il soutenu. Au moment où la présidentielle ivoirienne approche, des franges de la société civile n'hésitent pas à réclamer un troisième mandat d'Alassane Ouattara. C'est le cas du mouvement 3 millions de planteurs pour le président Alassane Ouattara. Lors d'une conférence de presse le mardi 29 octobre 2019, Maogi Lomanua, le président de cette structure, a laissé entendre qu'une manifestation est prévue le 25 avril 2020 dans l'objectif de demander aux champions du RHDP, Rassemblement des Houphouettistes pour la démocratie et la paix, d'être candidats l'année prochaine.